Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de mécanique essentiellement qui va sembler être un peu un sujet poussiéreux. Il n'y aura pas de mécanique quantique, il n'y a pas d'astrophysique, il n'y a pas de cosmologie, c'est un vieux truc quoi, ça va être de la chute des corps. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer que même sur un sujet aussi poussiéreux, il y a des choses intéressantes à dire, voire à faire en fait en recherche. Et le thème, c'est, vous l'avez tous lu, des tunnels pour traverser la Terre. Je vais vous parler de l'idée qui consisterait à percer un tunnel à partir de ici, verticalement vers le bas, jusqu'au centre de la Terre, et puis jusqu'à l'autre côté pour atteindre les antipodes. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on tombe si on se jette dans ce trou-là, quel est le mouvement de chute, et surtout, quelle est la forme qu'il faut donner au tunnel pour que ce soit le plus efficace possible. On va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas très intuitives ou pas très connues, en tout cas, sur ce sujet. Alors, des tunnels pour traverser la Terre. C'est une idée qui est assez vieille. Là, ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît en histoire des sciences, mais c'est le premier personnage dont je veux vous parler, c'est Galilée. En 1632, Galilée, explicitement, dans le dialogue sur les deux systèmes du monde, qui est un dialogue vraiment important en histoire des sciences parce que c'est dans ce dialogue qu'il essaye de montrer que la vision héliocentrique de l'univers est plus pertinente que la vision géocentrique. J'y reviendrai un tout petit peu après. Mais donc, bref, en 1632, Galilée, dans un de ses dialogues, dit explicitement que voilà, si effectivement on a un tunnel qui traverse la Terre de part en part et qu'on lâche un objet en haut du tunnel, l'objet va tomber vers le centre de la Terre, puis après avoir dépassé le centre de la Terre, va se mettre à ralentir pour atteindre exactement le point opposé à nous, l'antipode, avec une vitesse nulle. Donc voilà, un tunnel qui traverserait la Terre permettrait d'atteindre l'antipode de manière très efficace. En gros, vous sautez, et vous atteignez l'autre côté à vitesse nulle. Vous pouvez vous accrocher au bord de l'autre côté, puis monter. Voilà. C'est pas mal hein, comme idée. Hein. Alors, en pratique, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, en théorie, voilà. Plus loin dans l'histoire, en 1909, ça c'est plus pour rigoler qu'autre chose, mais il y a Camille Flammarion qui a écrit un article dans le journal The Strand. Camille Flammarion, c'était un grand astronome du 19e siècle, c'était aussi un grand vulgarisateur. Il a écrit vraiment beaucoup de choses pour populariser les notions d'astrophysique et d'astronomie de l'époque. C'était vraiment le Hubert Reeves de l'époque. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été passionnés par l'astronomie parce qu'ils avaient lu des choses de Camille Flammarion à l'époque. Ça va rester vrai même au début du XXe siècle. Bref, ce Camille Flammarion, il a écrit un article qui s'appelle donc « Un trou à travers la Terre » dans lequel il se pose ce problème-là. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on creuse un trou comme ça? Alors lui, ce n'est pas trop le problème de la chute qui l'intéressait, c'était vraiment quelles étaient les conditions physiques qu'on allait rencontrer dans la Terre, notamment quand on s'approche du centre de la Terre, quelle serait la température à cet endroit-là et tout ça. Mais il mentionne quand même là-dedans, effectivement, que bah, si on a un tunnel qui traverse la Terre, je vais l'appeler Trans-Terre à partir de maintenant, tunnel Trans-Terre. Donc si on a un tunnel Trans-Terre, si on se lâche d'un côté, on atterrit de l'autre, on arrive de l'autre côté, et puis il précise que ça mettrait 21 minutes pour faire le trajet. C'est pas mal, hein, c'est mieux que le Concorde, hein, largement. Et on peut voir des illustrations qui sont rigolotes, voilà, donc c'est pas lui qui a dessiné, mais il y a des gravures comme ça qui montrent ce trou, il y a d'autres gravures qui montrent la construction du trou, parce qu'il aborde aussi cette question-là, comment on pourrait construire un tel trou. Donc je vous ai mis la référence ici sur la vidéo, je la mettrai de manière beaucoup plus visible. Et enfin, plus proche de nous, pour les gens qui ont vu le film Total Recall, donc le deuxième remake par Len Wiseman en 2013, il imagine, l'auteur, que vous avez des cabines comme ça qui sont dans une énorme structure qu'on verra après. Et de la même manière qu'on prendrait le train ou le métro ou l'avion, là, les gens vont s'installer dans des cabines. Et une fois que tout le monde est installé, la cabine, vous allez voir qu'elle va être lâchée dans un tunnel. Voilà. Donc la cabine se met à tomber.
Ça va de plus en plus vite. Donc voilà, il passe le temps. Là, j'ai enlevé des bouts, j'ai fait un petit peu un montage perso de ça. Ici, on voit le tunnel qui est dessiné, je reviendrai sur cette image après. Et une fois que la cabine est passée de l'autre côté du centre de la Terre, elle se met à ralentir, 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 pour arriver de l'autre côté à vitesse nulle. Et là, plaf, on accroche le truc et les gens peuvent ressortir. Donc vous avez ici une mise en image de cette idée. Pour ceux qui veulent voir le film qui l'ont vu, j'ai coupé vraiment beaucoup de scènes. Notamment, il y a toute une scène qui se passe au moment où la structure arrive au centre de la Terre, où là l'auteur se met, enfin le réalisateur se met à mettre de l'apesanteur à ce moment-là. C'est juste n'importe quoi. Enfin, plus précisément, à partir du moment où la cabine est lâchée, là les gens sont en apesanteur à l'intérieur, et c'est pendant les 21 minutes que dure la chute que ça devrait effectivement être en apesanteur. Bon. Par ailleurs, il indique aussi, il y a un moment ça qui apparaît dans le film, on nous explique que voilà, il y a le tunnel qui va de là à là, il y a l'endroit, la position de la cabine qui est indiquée, puis on nous met ici, si on va lire précisément, que ça met 3h07 hein, pour faire le trajet. Je ne comprends pas d'où viennent ces 3h07. Hein. Le temps, c'est s'il n'y a pas de frottement, c'est 21 minutes. Hein. Et s'il y a des frottements, ben, on n'atteint jamais l'autre bout, quoi. S'il y a des frottements, ça fait ça, puis ça, puis ça, et là, les gens ils restent coincés là et ils meurent de chaud assez rapidement. Bref, alors la raison pour laquelle je veux vous parler de ça, c'est que si on considère que la Terre est en rotation, il y a plusieurs phénomènes vraiment intéressants qui entrent en jeu. Et je vais revenir un petit peu en arrière en histoire des sciences aussi sur ce point-là. Le point de départ de l'histoire que je vais vous raconter là, c'est 1543, avec ce beau livre-là. Ce beau livre, il a été écrit par Copernic. Copernic, en 1543, publie un livre dans lequel il défend l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, que toutes les planètes en fait, du système solaire tournent autour du Soleil, et que la Terre elle-même, elle tourne sur elle-même. L'idée, concurrente de ça à l'époque, c'était le fait que la Terre était au centre et que tout tournait autour, et que les étoiles elles-mêmes tournaient aussi autour de la Terre. Donc Copernic lui propose une autre vision, ça serait la Terre qui serait en mouvement. Il y a plusieurs objections qui sont faites à Copernic à ce moment-là. On entend souvent des objections religieuses, c'est très peu le cas en fait, c'est pas ça qui pose problème, c'est vraiment de la physique. Les gens se disent à l'époque, non mais c'est débile ton truc Copernic, parce que si c'était le cas, si effectivement la Terre elle est en mouvement autour du Soleil à grande vitesse, on peut calculer la vitesse sans problème de la Terre autour du Soleil, on a tous les éléments à l'époque pour le faire, les gens le font d'ailleurs, et les gens se disent, bah, si effectivement la Terre est en mouvement, donc nous là on est sur la Terre, on est en mouvement très rapide, je prends un objet et je le lâche, et bien cet objet, une fois que je l'ai lâché, donc je ne le retiens plus, moi je suis en train de partir à cette vitesse-là du fait du mouvement de la Terre, l'objet devrait rester lui en arrière, et donc quand je lâche un objet, il devrait partir à grande vitesse, moi je devrais le voir partir à grande vitesse de l'autre côté. Donc les gens n'avaient pas compris la notion d'inertie à l'époque, hein, c'est ça le problème. Donc avec leur raisonnement, avec la physique d'Aristote, c'est ça qu'on obtenait, donc ils disaient non, cette vision-là ne marche pas. Précisément, quelques décennies plus tard, en 1620, Galilée, encore lui, revient sur cet argument et dit non mais c'est pas vrai, l'argument le contre-argument que vous donnez n'est pas correct, la preuve, faites l'expérience sur un bateau, vous avez un bateau qui est en train d'avancer, quand on lâche un objet du haut du mât d'un bateau, l'objet ne se retrouve pas en arrière, l'objet en fait tombe au pied du mât lui-même. La raison elle est vraiment simple, c'est que quand on dit qu'on lâche un objet du haut du mât, le mot lâcher il est très très embêtant en fait, parce que c'est pas ça qu'on voudrait dire, on voudrait dire lancer. Vous avez un mât qui avance et vous lâchez un objet du haut du mât en train d'avancer, ça s'appelle lancer ça. Si je vous dis lancer une balle, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une balle, vous la mettez dans votre main, vous donnez une vitesse à votre main, puis pendant que votre main a une vitesse, vous lâchez la balle. Et la balle, elle va continuer avec la vitesse de votre main. Ce qui se passe pour le mât du bateau, c'est pareil, en fait, donc Galilée l'explique bien. Quand on a un bateau qui avance, en fait, quand on lâche l'objet du haut du mât, ce qu'on fait, c'est qu'on lance la balle vers l'avant. Le bateau, lui, continue d'avancer, les vitesses horizontales sont les mêmes, et donc l'objet tombe au pied du bateau. Donc, ça, Copernic l'avait dit aussi, hein. Donc là, Galilée le précise, mais c'est quelque chose qui était vraiment avancé par Copernic lui-même. Et si on réfléchit à cet argument, on pourrait se dire, bah, si, quand on fait l'expérience avec qu'on lâche maintenant un objet du haut d'une tour qui est vraiment construite à un endroit donné sur la Terre, eh ben, on pourrait se dire c'est la même chose. L'objet lâché du haut de la tour, en fait, comme la Terre est en train de tourner sur elle-même, la tour elle avance avec la Terre, donc l'objet il est lancé vers l'avant en même temps que le haut de la tour, et on pourrait se dire bah, du coup l'objet il va tomber au pied de la tour. Parce que le sol et le haut de la tour avancent au même moment, à la même vitesse, donc tout ça, ça avance à la même vitesse, l'objet devrait tomber au pied de la tour. Et c'est ce que dit Galilée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et en fait, Galilée et d'autres le reconnaissent assez volontiers. Ce n'est pas tout à fait vrai,
Parce qu'il y a une petite déviation vers l'est, si on réfléchit bien, pour la raison suivante. Quand je vous ai menti, en fait, quand je vous ai dit que, du fait de la rotation de la Terre, le haut de la tour avançait à la même vitesse que le bas de la tour. Imaginez quelque chose qui est en train de tourner, comme ça, mon bras qui est en train de tourner. Le bout de mes doigts, ici, avance plus rapidement que mon pouce, ici. Parce que mon bras, ici, est plus long que ma distance pouce-coude. Là, ce point-là, il va très lentement dans mon mouvement. Lui, il va très vite. Pour la tour qui est en train de tourner avec la Terre, c'est pareil. Le haut de la tour, il va aller légèrement plus vite que le bas de la tour. Donc l'argument que je vous ai dit là, l'objet qu'on lâche du haut de la tour, en fait, il est lancé avec une vitesse un peu plus importante que le bas de la tour. Donc quand il va atteindre le sol, il va avoir pris de l'avance, il va tomber un petit peu en avant. Et en avant, ça veut dire vers l'est. Hein. Les objets, quand ils se déplacent, ils avancent tous vers l'est. Donc avec ce raisonnement-là, on peut voir qu'effectivement, la chute des corps devrait s'accompagner, du fait de la rotation de la Terre, d'une petite déviation vers l'est. Ça, c'est un truc de malade à l'époque, hein, parce que c'est une manière, éventuellement, expérimentalement, de démontrer que la Terre tourne sur elle-même. Si je fais tomber des objets et que j'observe que les objets sont décalés vers l'est, voilà, j'ai montré que la Terre tourne. Il n'y a pas beaucoup de manières de démontrer que la Terre tourne et que ce n'est pas les étoiles qui tournent autour de la Terre, si on y réfléchit bien. Ça, c'en est un. Je viendrai tout à l'heure sur des expériences qui, justement, prennent appui sur ça. Alors, cette déviation vers l'est, il y a plusieurs manières de la voir. Je vais vous en montrer une version un petit peu plus rigoureuse, on va dire. Mais juste, les gens donc, se sont posés au XVIIe siècle la question de savoir comment est-ce que des objets qu'on allait lâcher tombaient. Et ils se sont posé la question, ok, si on les lâche du haut d'une tour, ils vont tomber de cette manière-là, ils vont être lancés là, mais qu'est-ce qui va se passer quand ils sont à l'intérieur de la Terre? Si jamais on fait un tunnel ici qui suit l'objet, quelle forme il faudrait donner au tunnel? Et alors là, Newton et Hooke se sont un petit peu battus. Newton, lui notamment, au début, disait que ça devrait faire quelque chose comme ça. Pas à cause des frottements, mais la physique devrait dire que, du fait de la physique, ça devrait effectivement faire quelque chose comme ça. En discutant avec Hooke, alors discuter avec Newton, entre Newton et Hooke, discuter, ça veut dire s'engueuler fortement en général. Hein, ces deux personnages qui vraiment ne s'entendaient pas du tout, et absolument sur tous les points qu'ils ont étudiés en commun, ils se sont battus, mais vraiment quoi. Bon, ça s'en est un, et il se trouve que là, c'est Hooke qui avait raison, et donc il lui a expliqué un petit peu à Newton que non, c'était pas ça, et que le corps à l'intérieur devrait faire une ellipse. Je vais vous la montrer maintenant. Là, je mets les références aussi à chaque fois, elles apparaîtront plus clairement sur la vidéo. Et alors, donc je vais maintenant vous montrer l'ellipse, et ce que je vais vous montrer ici, c'est la Terre en train de tourner, ça c'est un mât. Et ça, c'est la trajectoire qui est suivie par l'objet qu'on lance. Donc, il suit ici une ellipse qui va rentrer à l'intérieur de la Terre. Ou ici, pour le moment, je vais juste m'intéresser à la trajectoire jusqu'au sol. D'ailleurs, ce qui va suivre, pour l'instant, ne m'intéresse pas. J'y viendrai tout à l'heure. Mais voilà, j'avance le temps. La Terre tourne. L'objet, le rond, suit la petite ellipse. Le mât, lui, suit la rotation de la Terre. Et là, ce que je vous indiquais, c'est que l'objet, effectivement, prend de l'avance. Donc là, il faut me croire, parce que c'est moi qui ai fait l'animation. Mais on peut s'appuyer sur un résultat beaucoup plus rigoureux pour ça. Ça s'appelle la loi des airs. Pour ceux qui ont étudié la physique, vous avez peut-être vu la loi des airs. Sinon, je vous l'indique, on peut montrer que dans un mouvement de ce type-là, la rotation ici s'est faite en des temps égaux, s'il faut autant de temps pour passer de là à là que pour passer de là à là, alors les airs qui sont ici devraient être égales. Ici, vous voyez que ce n'est pas le cas. Vous voyez que l'air qui est ici, elle est un petit peu plus petite que celle-là, hein, puisque la distance qui est là est plus grande que celle-là. Donc l'air 1 étant plus grande que l'air 2, ça veut dire qu'on met plus de temps pour faire ça que pour faire ça. Autrement dit, pour faire le segment 2 ici, il faut moins de temps que pour faire 1. Donc le corps, pendant un intervalle de temps qu'il a mis pour faire ça ici, dans le même intervalle de temps, il sera allé plus loin du coup, il sera allé là. Donc avec la loi des airs, on peut effectivement montrer que l'objet se retrouve en avant. Je suis allé un petit peu vite ici, là. S'il faudrait que vous preniez 10 minutes pour reprendre ce raisonnement, c'est probablement le cas, ben vous regarderez la vidéo. En tout cas, voilà la conclusion numéro 1. Les gros numéros comme ça va être des conclusions importantes pour moi. La conclusion 1, c'est que les corps qui chutent sont déviés vers l'est. Là, je voulais présenter d'une manière un petit peu graphique. Les gens qui font de la physique, notamment en première ou en deuxième année d'université, Ils prennent un autre point de vue pour ça en général. Ils utilisent ce qu'on appelle la force de Coriolis. Alors je vais juste dire en quelques secondes ce que c'est que la force de Coriolis, mais là vous allez être très frustrés parce que j'en dirai probablement pas assez, mais voilà. Quand on fait de la physique, vraiment le principe fondamental dans la mécanique, c'est que l'accélération des corps est déterminée par les forces qui sont subies.
La force est égale à m fois l'accélération, pour ceux qui sont à l'aise avec cette formule. Bon. Ça, c'est vrai que quand on repère les corps d'une certaine manière, on appelle ça des référentiels, une manière de repérer la position des corps. Dans certains référentiels, qu'on appelle galiléens, on a effectivement que la force est égale à m fois l'accélération. Mais ce n'est pas vrai dans tous. En particulier, si vous avez un phénomène de rotation, un référentiel qui est en train de tourner, ce que je viens de vous dire, là, F égale ma, ce n'est pas vrai. Voilà, le principe de Newton ne s'applique pas. On peut cependant tricher un petit peu. On peut rajouter des éléments, on peut rajouter des fausses forces en quelque sorte, telles que si on les rajoute, eh ben effectivement le mouvement obéit à ce nouveau principe de Newton. Donc la somme des forces dans lequel j'ai mis ces fausses forces est égale à m fois l'accélération. Donc ces fausses forces là, on les appelle plutôt des forces fictives ou des pseudo-forces. C'est un moyen qu'on se donne d'utiliser, de pouvoir utiliser le principe de Newton. J'ai dit on triche comme si on faisait ça comme ça. Non, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Hein. On peut dire exactement quelle forme doit avoir ces forces en plus pour que ça marche. Elles ont plusieurs noms. Il y en a une que vous connaissez bien qui est la force centrifuge. Je vais en parler dans un transparent. Et l'autre que vous connaissez moins qui s'appelle la force de Coriolis. Cette force de Coriolis, elle a comme propriété d'être perpendiculaire à l'axe de rotation et perpendiculaire à la vitesse du corps. C'est elle qui est responsable de la déviation vers l'est. Si je fais tomber un corps maintenant vers le centre de la Terre, la vitesse donc, elle est dirigée vers le centre de la Terre. La force de Coriolis, elle est perpendiculaire à cette vitesse vers le centre de la Terre. Elle est aussi perpendiculaire à l'axe de rotation nord-sud. Et si on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit que ça, une direction qui est perpendiculaire aux deux que je viens de dire, eh ben, c'est quelque chose qui est dirigé dans un axe est-ouest. Et on peut montrer aussi, si on va plus loin, que c'est vers l'est qu'elle est, cette force. Alors ensuite, je vais vous parler d'une autre déviation, vers le sud. Et là, ça devient un petit peu plus intéressant et plus lié à ce que je veux vraiment vous raconter. On va reprendre cette situation de quelqu'un ici qui a un ballon et qui va vouloir le faire tomber à la surface de la Terre. Donc j'ai besoin de faire un zoom. Donc là, j'ai mis 47 minutes pour faire cette animation, donc en fait, je vais la refaire un coup. Voilà, bon. Et effectivement, la personne va faire tomber cet objet dans le trou qui est ici. Ce que j'ai indiqué ici, il y aura quelques formules. Si vous ne les lisez pas, ce n'est vraiment pas un problème. Simplement, ça, c'est la force gravitationnelle. Donc, la force qui est exercée par la Terre sur l'objet, elle est dirigée comme ça. Donc, l'objet va tomber. Sauf que, on est sur une Terre qui est en train de tourner. On est comme sur un manège. Donc, on est soumis à différentes forces. Je viens de parler de la force de Coriolis. Pour l'instant, je la mets de côté. Il y en a une autre qui va m'intéresser. C'est la force centrifuge. Vous avez une force qui s'ajoute à la gravité, qui est dirigée par là-bas, qui est centrifuge, alors plutôt elle axifuge, on devrait dire. Elle nous éloigne de l'axe de rotation, comme sur les manèges. Et du coup, la force à laquelle est soumis l'objet qui est ici, c'est la composante de ces deux-là. Ça s'appelle le poids. Ce qu'on appelle le poids, ce n'est pas juste la force gravitationnelle, c'est vraiment la somme de ces deux trucs-là. Et donc, le poids est en fait dirigé comme ça. Donc on pourrait se dire, bah du coup, l'objet, il ne va pas du tout aller dans le tunnel, il va être dévié un peu vers le bas. Cette direction-là, pour la personne qui est ici, c'est le sud. Hein. Là-bas, c'est le nord. Par là, c'est le sud. Donc la personne a l'impression que l'objet est dévié vers le sud. Sauf que, là, je vais un petit peu vite. L'objet, si on veut repérer sa déviation par rapport à la verticale, il faut bien définir ce qu'on appelle la verticale. Or, comment est-ce qu'on définit la verticale? Si vous êtes charpentier ou architecte et vous voulez définir la verticale, pour ça, vous prenez un fil à plomb, donc un fil avec un machin au bout, vous attendez que le fil arrête de se balancer, et ça définit la verticale. Si on fait le bilan des forces qui s'appliquent là-dessus, le plomb qui est au bout du fil, il est soumis lui aussi à la gravitation de la Terre et à la force centrifuge. Donc lui aussi, il est soumis à ce poids-là, et donc la direction du fil à plomb vous indique cette direction-là, pas celle-là du tout. Donc, si on fait cette expérience aujourd'hui sur Terre, c'est cette direction-là que va nous indiquer le fil à plomb. Donc, du coup, on a l'impression que, si on revient sur le raisonnement que j'ai fait avant, le fil à plomb donne cette direction-là, l'objet qu'on lâche tombe selon cette direction-là, donc il n'y a pas de déviation vers le sud. Vous prenez un fil à plomb, vous faites tomber l'objet, il va tomber le long du fil à plomb. D'accord ? Bon, ça c'est vrai, c'est un petit peu moins faux que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vais aussi revenir sur ça. Attention, c'est là où il faut vous accrocher, après vous pourrez redébrancher vos neurones, mais là j'en ai besoin pour 30 secondes. Je vous ai mentionné le fait qu'il y avait encore une force supplémentaire à ça, qui était la force de Coriolis, qui, si on regarde, elle va être perpendiculaire au plan du tableau ici, parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe de rotation et perpendiculaire à la vitesse, donc en fait, elle va aller par là-bas. La force de Coriolis, elle tend à pousser l'objet vers le tableau là-bas. Donc en fait, il faut imaginer que l'objet descend comme ça, puis va un petit peu vers l'arrière. Donc du coup, il acquiert au cours du temps une vitesse qui est dirigée comme ça. S'il y a une vitesse comme ça, la force de Coriolis, j'ai dit qu'elle était perpendiculaire
à la vitesse et à l'axe de rotation. Donc si la vitesse acquiert une direction dans cette, acquiert une composante dans cette direction-là, la force de Coriolis va aussi acquérir une composante qui est perpendiculaire à mon doigt et à l'axe de rotation. C'est-à-dire, si on réfléchit aussi deux minutes, une force qui va être du coup dirigée comme ça. Elle va être dirigée comme ça, pardon. En fait, suivant cette direction-là aussi, dans ce cas-là. Donc ça va effectivement faire une déviation vers le sud, mais elle va être en fait minuscule, elle va être beaucoup plus petite que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc si je reprends le raisonnement que j'ai fait, la force de Coriolis fait une petite déviation vers l'est, je reviendrai sur ce petit tout à l'heure, et cette petite déviation vers l'est est responsable d'une très petite déviation vers le sud. Donc quand on analyse le problème correctement, on s'attend à ce que les objets soient décalés un peu vers l'est et un tout petit peu vers le sud. Remarque en passant, là, vous allez vous dire, mais c'est bon, Taillé, il a fumé, là. Il nous dit n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je trace le sol ici, qui est la tangente à la Terre, et si je trace l'horizontale, c'est ce qui est perpendiculaire au poids. Hein. Quand on mesure l'horizontale avec un fil à plomb, on met un objet qui est perpendiculaire au poids. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que sur la Terre en rotation, l'horizontale n'est pas sur la même direction que le sol. Autrement dit, je suis en train de vous dire que le sol sur la Terre, il est en pente. Si on fait le calcul, ça ferait quelques dixièmes de pourcent. C'est pas rien, hein, quelques dixièmes de pourcent. Si vous mettez une goutte d'eau, ça va descendre la goutte d'eau. Donc je suis en train de vous dire que si la Terre est une sphère en rotation autour d'un axe, tous les points de la sphère devraient être en pente. C'est pas le cas, on n'est pas en pente. Donc ça veut dire qu'avant, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Ben oui, la Terre n'est pas une sphère en fait. La Terre, c'est pas une sphère, c'est un truc qui est aplati. Je reviendrai à toute fin ça de l'exposé que je vais vous faire maintenant. Mais ça, c'est un point effectivement qu'on ne voit pas beaucoup mentionné. Si on modélise la Terre comme une sphère en rotation autour d'un axe, chaque point de la Terre devrait être en pente, en fait. Alors, les idées dont je viens de vous parler ici, elles ont été testées par quelques expériences. Il y en a eu plusieurs. La première sur laquelle je vais m'arrêter, c'est ce qu'on appelle les expériences de Benzenberg au début du 19e siècle, où lui, il voulait vraiment mettre en évidence la déviation vers l'est et vers le sud dont je viens de parler. Et il a pour ça, il s'est d'abord mis en haut d'une église en lâchant des machins. Puis il connaissait un puits dans une mine qui n'était pas loin d'où il habitait. Il y avait un puits de 80 mètres de haut. Et donc il a laissé tomber des objets depuis 80 mètres de haut. Je ne l'ai pas dit, mais plus la vitesse, plus la hauteur de chute est importante, plus la déviation vers l'est et vers le sud vont être importantes aussi. Donc on a intérêt de faire tomber les objets du plus haut possible. Et ce qu'il a obtenu, c'est quelque chose comme ça. Donc vous avez ici en millimètres vers l'est, vers l'ouest, et là en millimètres vers le nord et vers le sud, les points de données qu'il a obtenus ici. Il avait mis une planche et les billes en tombant de 80 de haut, ça fait mal à la planche. Hein. Donc ça faisait des petits pocs qu'il arrivait à voir. Donc là, c'est le tracé des pocs. Et voilà tous ces points. À partir de là, regardez pas pour l'instant la croix, mais voilà ce qu'on obtient. Est-ce qu'à partir de ça, on arrive à mettre en évidence que la chute est déviée vers l'est ou vers le sud? Ben, c'est pas tellement évident. Hein. Vers l'est, on a l'impression que plutôt oui quand même. Il y a plus de points vers l'est ici que de points vers l'ouest. Donc en moyenne, on a quand même l'impression que c'est le cas. Pour ce qui est de nord-sud, c'est pas du tout évident. Et effectivement, si on fait la moyenne de tous ces points, on obtient le carré qui est ici là. Et la croix qui est là, c'est ce qu'on attend de manière théorique. On se dit « Waouh !» C'est monstrueux, quoi. Le gars, effectivement, il a des super mesures. La moyenne des points ici est très proche de ce qu'on attend. Alors, pour être très honnête, c'est un hasard. Le mec, il a vraiment eu du bol, là. Parce que si vraiment on regarde, en fait, les erreurs, les incertitudes qu'il faudrait mettre sur ce point-là, dû à la dispersion de tous les points, on trouverait que c'est pas un carré comme ça, c'est une patate qu'il aurait dû mettre là. Et oui, cette patate, elle englobe le point. Le point théorique attendu. Mais il ne faut pas donner trop non plus de crédit à ces résultats-là. Hein. Il a montré que statistiquement, il y avait un petit effet, mais en tout cas, il n'a pas du tout montré que quantitativement, les déviations étaient en accord avec les attentes théoriques. Alors, c'est des expériences qui sont vraiment très difficiles du point de vue expérimental. En particulier, j'ai mis ici définition du point zéro, c'est-à-dire que si on se pose la question, comment est-ce qu'on va définir sur la courbe précédente, sur les points précédents, comment on définit le point qui est ici, là, le point sans déviation? Bah, c'est assez simple, en théorie, on prend un fil à plomb et puis on regarde où est-ce que ce fil à plomb touche la planche, la fameuse planche là, et puis ça sera le point zéro. Sauf que, un jour où vous ennuyez, un week-end, vous essayez de trouver un endroit qui fait 80 mètres de haut, ça fait environ, je sais pas, 20, 25 étages, un truc comme ça, un peu plus, 25 étages. 25 étages, vous prenez un fil de 25 étages, un fil à plomb, et vous allez essayer de déterminer en quel point est-ce que le fil à plomb se projette par terre. Ce que vous allez avoir, c'est un machin qui fait ça,
pendant des heures et des heures et des heures. Un truc de 80 mètres de long, ça se balance. Alors, je fais ça à cette vitesse-là, pas du tout. Ça va être extrêmement lent. Un mouvement, ça, ça se calcule aussi. Mais voilà, vous allez avoir un machin qui bouge. Donc déjà, il faut des jours et des jours pour que ça s'arrête. Le moins de coups de vent, ça le remet en mouvement et tout ça. Donc déjà, trouver le point qui est ici, expérimentalement, c'est hyper compliqué. Hein? Donc on peut déjà commencer à mettre en doute ça dans l'expérience qui est faite ici. Par ailleurs, lâcher une bille, c'est bien joli, bah voilà, on la lâche comme ça. Il faut arriver à la lâcher sans lui donner de petite vitesse sur le côté, parce qu'une vitesse de 1 mm par seconde sur une chute de, une hauteur de chute importante, ça va finir par faire des décalages importants. Donc en fait, le point important, le point délicat de ces expériences, il est vraiment là en fait. C'est comment lâcher des billes sans leur donner de petite vitesse initiale. Et là, il y a des trésors d'ingéniosité qui sont montrés dans les différents articles qui parlent de ça, le sien notamment. Bref. Benzenberg, il a trouvé ça, mais il voudrait quand même arriver à comparer ses expériences avec la théorie. À l'époque où il l'a fait, ce n'était pas hyper clair. Donc, il a demandé à quelqu'un, Benzenberg, à Olbers, de se pencher sur le problème théorique. C'était un astronome connu de l'époque. Vous connaissez peut-être son nom, Olbers. Il y en a qui ont déjà vu ce nom. Il est associé à un paradoxe, le paradoxe de la nuit noire. C'est lui, Olbers. On l'appelle paradoxe d'Olbers, souvent. Ça n'a rien à voir avec ça, donc je ferme la parenthèse, mais c'est lui. Et Olbers, du coup, il a sous-traité. Il a demandé à Gauss et à Laplace, les plus grands mathématiciens de l'époque, de se pencher sur le problème du calcul de la déviation vers l'est et vers le sud. Et effectivement, Gauss et Laplace l'ont fait. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de choses, mais effectivement, ils l'ont fait. On lit par exemple ici Laplace. Il a mis le résultat dans un de ses livres sur la mécanique. Alors, on ne va pas tout lire, mais juste ce qui est un peu amusant, c'est ça. La première phrase, un corps qui partant de l'état de repos tombe d'une grande hauteur, s'éloigne sensiblement de la verticale, en vertu du mouvement de rotation de la Terre, c'est ce que je vous ai parlé. Cet écart bien observé est donc propre, blablabla. Là, il abuse, hein. Là, la place, il abuse parce que l'écart, il n'est pas bien observé du tout. Hein. À l'époque, les expériences que je viens de vous présenter n'avaient pas été faites et cet écart n'avait pas du tout été observé. Donc là, il abuse un peu. Mais sinon, bon, il fait les calculs la place de la déviation vers l'est et vers le sud. Gauss le fait aussi. Bah, juste pour rigoler, je vous mets l'article, mais je ne parle pas allemand, donc ça ne me parle pas. Mais en fait, non, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, j'arrive mieux à lire ça que ça. Parce que Laplace, il fait que du texte et tout ça dans un vieux français qui n'est pas évident à lire. Gauss, lui, c'est certes de l'allemand, mais ça, moi, je comprends. Et c'est assez remarquable de voir qu'à cette époque-là, un article de 1803, en fait, c'est les mêmes notations qu'aujourd'hui. Donc, si on a l'habitude, on le lit très bien, en fait, sans aucun problème. Et on retrouve effectivement les formules qu'on apprend à l'école, enfin, que les gens qui font de la mécanique apprennent. Tout ça, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à acheter un œil à ça. Voilà. Il existe en vrai, Experimenting on a Small Planet. C'est un livre qui, le sous-titre est peut-être un peu, vous semble un peu bizarre par rapport à ce que je raconte. Histoire des découvertes scientifiques, un futur des changements climatiques et du réchauffement global. Donc lui, ce qu'il veut faire c'est, dans ce livre, c'est expliquer les phénomènes qui permettent de comprendre le réchauffement climatique et les changements climatiques. Il est amené pour ça à parler de mouvements de masse d'air dans l'atmosphère, de nuages, de tout ça. Et un des phénomènes qui est vraiment important pour comprendre comment est-ce que les nuages se déplacent, c'est la force de Coriolis. C'est vraiment la force fondamentale en fait, qui intervient. C'est responsable du fait, la force de Coriolis, notamment que les ouragans ou même les masses d'air ne tournent pas dans le même sens dans l'hémisphère nord que l'hémisphère sud. Entre parenthèses, pour le dire vite, c'est pas le vrai pour les tourbillons dans les baignoires. Hein. Comme ça, de la baignoire dans l'hémisphère nord, il n'a pas de raison de tourner dans un sens plutôt que dans l'autre, et il n'a pas de raison de tourner dans un autre sens dans l'hémisphère sud que l'hémisphère nord. Ça, c'est vraiment une légende urbaine. Mais pour les masses d'air, c'est vrai. Et du coup, là-dedans, il parle de la force de Coriolis. Et il y a eu tout un chapitre sur l'histoire de ça qui est vraiment extrêmement bien fait. C'est là-dedans que j'ai trouvé le plus d'informations plaisantes à lire hein, sur ça. Bref. Bref, c'est le mot. Alors, on peut calculer, je vous mets les formules si ça vous amuse, mais ce qu'on trouve, c'est que la déviation vers l'est est de quelques centimètres, celle vers le sud de quelques micromètres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très petit. Et les expériences qui ont été faites, là, je vous donne une liste qui est donnée dans l'article qui est ici, mais donc Benzenberg, il est là. Lui, il trouvait pour ça, c'est sud et ça, c'est est. Pour sud, il trouvait 0,34 cm. Pour l'est, il trouvait 0,90. Donc, il trouvait des choses importantes pour le sud et beaucoup plus important que le micron qu'on attend. En gros, si on lit cette expérience-là, ce tableau-là, on s'aperçoit que les déviations vers le sud, elles sont. Déjà, il n'y a pas de barre d'erreur qui sont indiquées, mais elles sont tous beaucoup plus grandes que les grandeurs, que ce qu'on attend effectivement de manière théorique.
Et là, en fait, à chaque fois, il y a des erreurs expérimentales qui sont importantes. Et les déviations vers l'est, il y en a très peu qui sont en accord avec les attentes théoriques. Celle qui l'est le plus, c'est Hall en 1902 qui a fait l'expérience. J'en parlerai un tout petit peu dans quelques minutes parce que je vais bientôt finir. Mais voilà. Donc, la situation ici, c'est qu'en 1902, et je vais même dire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience aujourd'hui qui permette de montrer cette déviation vers le sud, là. Un effet de physique classique, de mécanique classique qu'on calcule très facilement. On n'a pas aujourd'hui de mesure de ça. Il y a différentes raisons. Hein. Si vous avez des questions après, on pourra en parler, mais voilà. Alors, ouais, je suis un peu embêté, je vais passer des choses. Allez, je prends 2 minutes. Là, c'est 2 minutes, j'allais sauter, mais non, parce que c'est trop bien. Ça va être de la géométrie. Non, ça va être de la géométrie. Quand on veut savoir comment un corps tombe à l'intérieur de la Terre, il faut savoir comment la gravité évolue dans la Terre. Comment est-ce que la pesanteur change quand on descend à l'intérieur de la Terre. Et ça, Newton l'a étudié, d'autres aussi. Et Newton, il a un argument qui est vraiment extraordinaire, je trouve, pour montrer que. Donc, il veut montrer déjà, il a besoin de montrer à un moment que quand on a une coquille sphérique comme ça, donc une sphère creuse, un corps qui est ici ne ressent pas de force gravitationnelle de tout le reste. Et pour ça, l'argument qu'il donne, c'est le suivant. Il va dire, on va découper la coquille en petits bouts. Donc voilà, je vais prendre ce bout-là et ce bout-là. Et il montre que l'attraction sur lui due à ce bout-là compense l'attraction due à ce bout-là. Pour ça, en fait, il sait que l'attraction due à lui, c'est donnée par la masse qui est ici et par l'inverse du carré de la distance de là à là. D'accord? Pareil ici. Là, la masse qui est ici, elle est plus grande que celle-là. Je pense que ça vous voyez, parce que le volume est plus grand. De combien il est plus grand? Bah, en fait, il y a cette distance-là qui éventuellement joue, la profondeur en quelque sorte, et puis la largeur ici. Or, si l'objet est 2 fois plus loin, la largeur qui est ici, la surface qu'on voit, elle est 4 fois plus loin. Cette largeur apparente, elle augmente comme le carré de la distance. Comme la force, elle augmente comme l'inverse du carré de la distance, c'est des facteurs qui se compensent. Donc le seul facteur qui intervient, c'est vraiment les largeurs. Si lui est plus large que lui, eh ben, l'attraction ici va dominer sur ça. Et ce que montre Newton, mais ça en fait on va le faire ensemble, c'est que cette largeur-là est égale à celle-là. Et ça c'est extrêmement simple si j'enlève les machins qui nous gênent. Je prends un cercle, je le coupe par un trait comme ça. Par symétrie, je pense qu'on fait un trait comme ça, vous voyez que la situation est symétrique. Ça c'est la même longueur que ça. Et donc effectivement les attractions se compensent et du coup la force ressentie par le petit machin bleu est nulle. Si on faisait ça avec une boîte, ça ne marche pas du tout. Hein. Le même raisonnement, on dirait, voilà, cette longueur-là étant plus grande que celle-là, le corps ici est plus attiré par là que par là. Et ce qui est remarquable, et c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que pour une coquille sphéroïdale, si on a une sphère qui est aplatie, eh ben, en fait, on peut montrer qu'en coupant une ellipse, enfin une coquille avec un trait de ce type-là, cette longueur-là est égale à celle-là. Ça, c'est rigolo, c'est ça qui fait Newton, en fait. Et c'est là qu'il y a de la géométrie qu'on peut lire aujourd'hui encore au XXe siècle. Là, je ne vais pas prendre le temps de le faire, mais ça se fait. Exercice pour le mois prochain. Poum. Et du coup, avec tout ça, donc là j'avance un petit peu, avec tout ça, on peut montrer que la force ressentie à l'intérieur de la Terre, c'est la même que celle par un ressort, en fait. Elle est proportionnelle à R. Plus on s'éloigne, plus la force est importante, ou plus on se rapproche du centre, plus la force diminue. Quand on a tout ça dans les mains, bah, en fait, on peut commencer à faire des jolies choses, et ça va être la phase finale de ma présentation. On peut montrer que la trajectoire, quand on lance un corps sur le côté comme ça, la trajectoire suivie à l'intérieur de la Terre va être une ellipse de ce type-là. Et je vais vous faire une animation où j'ai à la fois modélisé la rotation de la Terre et puis l'avancée du corps qui est ici. Donc là, ça ne nous dit rien parce qu'on n'a pas trop de repères. Je refais la même chose, mais en gardant trace de la position précédente à chaque fois du corps. Voilà comment est-ce que se déplacent les corps, comment chutent les corps à l'intérieur de la Terre. Je vous le montre mieux. Maintenant, je vais me placer. Là, j'ai fait tourner la Terre. Maintenant, c'est du point de vue d'un gars sur la Terre que ça m'intéresse. Donc, je vais vous montrer le même film, mais depuis quelqu'un qui est sur la Terre. Le gars sur la Terre, il voit ça. Il voit l'ellipse en train de tourner, et il voit le corps en train de tourner sur l'ellipse. Bon, là, on ne voit pas grand-chose. Il manque peut-être un élément. Je le rajoute. Je mets effectivement la trajectoire, suivie en pointillé, l'ensemble des points occupés par l'objet qui tombe. Autrement dit, si je veux faire un tunnel qui va de là à là en chute libre, le tunnel, il doit avoir cette forme-là. D'accord? Là, c'est bien une déviation vers l'est pour lui. Et on n'atterrit pas du tout aux antipodes, on atterrit là, en fait, un peu plus loin. Si on fait le calcul avec la vitesse de rotation de notre Terre à nous, donc là, ça fait plus tunnel, plus architecte, genre le mec, il va le construire, en fait. Hein, donc j'ai déjà les plans. Donc le point de lâcher est là. Et on peut montrer que la distance entre ce point-là, l'antipode, et puis vraiment le point où ça ressort, c'est 2 300 km. Donc c'est pas rien. Hein. On loupe quand même pas mal l'antipode. Et du coup, là où ça devient encore plus intéressant, on pourrait se dire, bah, dans Total Recall, là, bah, ils ont qu'à faire un tunnel tordu
qui va de là à là, sauf que non, parce que le tunnel, il n'est pas réversible. Quand on est là et qu'on se lâche, on arrive ici après. Puis là, on arriverait là. Donc en fait, il faudrait un tunnel en étoile, et si on veut aller de là à là, il faut faire plein de fois le chemin, quoi. Donc c'est juste une idée qui ne marche pas dans les deux sens. Alors, il y a quelque chose en re-regardant, du coup, ça c'est une figure, qui est une image qui est tirée du film, en re-regardant ce qu'a montré le réalisateur, je me suis dit, ah, en fait, il avait vu ça. Il avait vu parce que la trajectoire, elle n'est pas rectiligne en passant par centre de la Terre, elle fait comme ça. Mais elle n'est pas dans le bon sens, elle devrait faire ça. Et en fait, après, j'ai réfléchi de nouveau et je me suis dit, non, mais c'est pas ça. Il ne voulait juste pas que ça passe par le centre de la Terre parce qu'il fait trop chaud, je pense. Il s'est dit, non, mais on va éviter, j'en suis quasiment sûr, quoi. Donc, voilà. Donc ça aurait pu ressembler à une bonne idée, mais non. Alors, juste pour vous montrer, là c'était essentiellement des points qui étaient lâchés de l'équateur que je vous ai montré, juste parce que ça m'amuse et parce que j'ai aussi passé du temps à le faire, je vais vous montrer ce qui se passe quand maintenant on lâche des corps d'un point qui n'est pas sur l'équateur. Et là, je vais vous montrer, faire des animations en direct parce que ça sera plus visible, c'est ça que je veux montrer. Alors attention, ce que ça montre ici, c'est la Terre que j'ai un petit peu évidée. En haut, en bas, j'ai enlevé les calottes en haut, en bas pour qu'on voit mieux l'intérieur. Le point de lâcher, il est ici. D'accord? Et ben voilà, le tunnel, il fait ça ici, il atterrit là. Ça, c'est un point qui c'est un cercle de latitude donnée, ça, c'est un cercle qui a la latitude opposée. Donc, autrement dit, on est bien, si on part ici de plus 45 degrés, on arrive à moins 45 degrés, mais on n'arrive pas aux antipodes, on est décalé, effectivement, sur le long de cet axe-là. Donc, en trois dimensions, ça donnerait quelque chose comme ça. Ça se calcule de manière très simple, hein. Donc, je ne vous montre pas les formules, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de première année de licence, en fait, sans aucun problème. Les examens, c'est bientôt, hein. Ok, et alors, pour terminer, donc ça je passe, et alors juste pour vous mentionner quelque chose, parce que ça me tient à cœur, là je vous ai parlé d'une Terre qui était sphérique, en fait la Terre elle n'est pas sphérique, elle est aplatie au pôle, à cause de leur rotation. Donc si on veut réanalyser le problème avec une sphère, avec une Terre qui est aplatie, il faut se poser plein de questions nouvelles. Quel est le champ de gravité à l'intérieur d'une citrouille, en gros, d'un truc qui a une forme de citrouille? Est-ce qu'on retrouve la déviation vers l'est, vers le sud? Quelle est la forme des tunnels et tout ça? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Je vais vous le montrer aussi sur une animation. Et du coup, c'est celle-là. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc regardez à l'intérieur ici, vous voyez, ça fait un spaghetti. Et il y a quelque chose de vraiment remarquable, qu'on peut expliquer si on prend le temps. Hein. Donc on lâche ici le corps, il tombe là, et on voit qu'il n'atteint pas le nouveau cercle ici, il repart avant. Là pareil, en fait, il n'y a pas de sortie. Dans un tunnel creusé dans une sphère qui n'est pas, dans une Terre qui n'est pas sphérique, les tunnels ont une entrée, et ils n'ont jamais de sortie. Il y a une condition très particulière sur la vitesse de rotation et puis la densité de la masse volumique de la Terre qui fait que quand ces deux grandeurs sont dans des rapports rationnels, effectivement, là, au bout de n tours, ils pourraient sortir, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel du tout. Donc, de manière générale, non, les tunnels ne sortiraient pas dans une Terre qui est ellipsoïdale. OK. Donc, les tunnels n'ont pas de sortie. Alors pour conclure, parce qu'il faut quand même un moment le faire, c'était un beau quart d'heure là. Donc j'étais surpris devant la simplicité du traitement quand je me suis intéressé à ce problème-là. En fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose, là je suis allé un peu vite, mais ça peut vraiment être fait avec des outils de première année de licence en fait, vraiment. C'est essentiellement de l'oscillateur harmonique, des mouvements harmoniques, ça se fait sans aucun problème. Et donc, je m'étais dit, très naïf, bah, du coup, cool, je vais le faire aux étudiants. J'ai essayé il y a 2 ans, et c'est l'échec, ça a été l'échec total. C'est-à-dire que malgré la simplicité, on va dire, mathématique du problème, je n'ai pas réussi, c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas réussi effectivement à faire que ça soit que les élèves se disent, waouh, mais ouais, ah ouais, un, c'est super intéressant, et deux, c'est super simple, en fait. Non. Donc, voilà, ça, on pourra en discuter aussi si ça vous intéresse certains, mais En revanche, en faisant tout ça, je me suis intéressé au cas de la Terre ellipsoïdale, là, qui n'est pas de la Terre aplatie. Je me suis aperçu que ça n'avait pas été fait, ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui a été publié ou quoi. Donc, je me suis intéressé au problème et je l'ai fait.
Et du coup, j'ai réussi un challenge personnel. Je m'étais dit il y a quelques années que j'aimerais vraiment publier un article dans cette revue, American Journal of Physics, qui publie de la physique à destination d'enseignants, chercheurs, on va dire à un niveau licence ou maîtrise. Voilà. C'est censé être extrêmement pédagogique. C'est une revue que je lis régulièrement, donc que j'admire. Et voilà. Donc je me suis dit, je vais publier là-dedans. Et effectivement, les calculs que j'ai pu faire, les résultats que j'ai pu trouver pour la Terre ellipsoïdale, et ben effectivement, ça a donné lieu à un article qui a été accepté par cette revue et qui sera publié dans quelques mois, du coup. Donc voilà, je suis super content. Ça clôt ce que je voulais raconter. Je vais juste vous lire ça quand même. Donc Edwin Hall, qui est une personne en 1902 qui a fait des expériences de chute, qui est d'ailleurs connu pour quelque chose, vous connaissez peut-être l'effet Hall. L'effet Hall en électronique, c'est la déviation des électrons d'un côté. Là, c'est rigolo parce qu'il s'est intéressé à la déviation vers l'est aussi sous la force gravitationnelle. Mais bon, voilà. Ce Hall-là, donc, il a fait des expériences de chute et mesuré la déviation vers l'est. Et il commence son introduction de son article par ça. La question de savoir si une sphère qui tombe à partir du repos sur quelques centaines de mètres est décalée sensiblement vers le sud par rapport à la verticale n'est probablement pas un des problèmes les plus urgents en physique. Mais il a la dignité de l'âge vénérable et le charme du mystère. Voilà, et je trouve ça fabuleux, quoi. Voilà. Je m'arrête ici. Merci pour votre attention et à dans un mois. Je n'ai pas utilisé ça. Enfin, il y a un peu d'apprentissage à faire. Il est là. Voilà. La prochaine fois, si tu l'amènes, je l'utiliserai. Mais... Oui, ça va demander de la pratique. Hein, mais je me suis emballé dans le truc et... Mais merci, hein, ceci.